Bon, Animest, on en revient hier. Je sais pas si c'est tellement français, mais on est le lendemain du retour. On y est resté tout le week-end parce qu'on avait le pass Tanuki. Merci Marine qui me l'a offert pour Noël. Le petit pass Tanuki qui permettait d'avoir des coupes-fils qu'on a peu utilisés. parce que bah on va parler de tout ça. Ton avis pour commencer. Bah c'était une convention très sympathique. On a vu beaucoup de monde en cosplay. Il y avait des stands sympas. Les guests, les VIP qu'on a rencontrés étaient sympathiques. Donc, les doubleurs. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord avec moi? Bah moi personnellement, je suis pas venu pour voir Siphano. Il y avait une queue dantesque pour voir Siphano. Du coup, ceux qui ont voulu voir Siphano, je pense que c'était moins drôle pour eux d'attendre 2 heures pour. Bon, je sais pas combien de temps ils ont attendu, je pense qu'il n'y avait pas non plus autant de monde qu'à Mestory quand j'avais fait la queue pour voir Brigitte Le Cordier. Je pense qu'il y avait plus de monde quand j'avais été. Quoique, je sais pas. Mais ouais, les VIP, il n'y avait pas grand monde, étonnamment. Du coup, en fait, c'était facilement accessible. On a pu les interviewer, mais ça, ce sera dans d'autres vidéos que vous allez pouvoir voir. Et leur poser quelques petites questions, notamment Laurent Sao, donc le doubleur de principal du Guy dans Yu-Gi-Oh! Et Yami, ouais, pour la même occasion, il fait les devoirs, mais bon, ça vous verrez dans l'interview. Benoît Dupac, et voilà, on a aussi interviewé Benoît Dupac, la voix de Onizuka dans GTO, de Glenn dans Walking Dead, etc. Mais ça, pareil, vous verrez ça dans la petite vidéo, ils vont chacun avoir une petite vidéo en plus sur la chaîne. Voilà, c'est des petits trucs sympas, c'est une des raisons pour lesquelles en fait on y était. Parce que moi je voulais voir ces doubleurs-là, il y avait deux autres doubleurs. Et Arthur Pestel. Arthur Pestel, qui fait celui qui fait la voix de Martin Mystère. Et d'autres voix hyper connues, hein. C'est un doubleur super connu. Et il y avait aussi celui qui fait la voix de Full Metal Alchemist, Alexis Thomasien. Voilà. Et c'était génial, ils ont même fait une petite conférence où ils ont pu parler un petit peu du métier de doublage. Et je mange. Je suis un aigle. Voilà, c'est une connerie. Oui, c'est un aigle. Et ils volent pas très haut, ils volent plutôt bas. Et il y a vraiment ces doubleurs-là qui m'ont marqué, Brigitte Le Cordier donc pour ma jeunesse pour Dragon Ball, et là Onizuka pour GTO, plus Yu-Gi-Oh actuellement, vous savez sur la chaîne, voilà, le doubleur d'avoir Laurent Sao, d'avoir pu interviewer Laurent Sao, c'était super plaisir, d'avoir pu aussi discuter un petit peu avec lui, Marine a aussi fait du doublage avec lui sur scène, donc c'était rigolo, elle a pu doubler Mai dans une petite séquence, donc c'était rigolo. Donc voilà, c'était très sympa. Les gens avaient l'air de pas être au courant de ce qui se passait dans la convention. Les organisateurs, le staff, en fait, avaient l'air d'être plutôt paumés. Après, je crois que de mémoire, généralement, ce genre d'événement, c'est des bénévoles. Ouais. Du coup, qu'ils soient paumés, je peux un peu comprendre. Mais c'est vrai qu'on leur posait une question, des fois ils n'étaient pas tellement courants, je pense qu'il aurait peut-être fallu briefer le staff avant. Et je pense que justement, à cause de ça, du principe que ce soit peut-être des bénévoles, il y a peut-être un petit manque d'organisation. Par exemple, là avec le pass Tanuki, on avait le droit à un tombola ou je sais pas quoi. Non, c'est une loterie. Une loterie, voilà. Enfin, quand on va poser la question, c'est où la loterie? Ah non, vous avez déjà eu, ce sac? Oui, parce qu'on a quand même eu un sac de. Voilà. Parce qu'avec le pass Tanuki, on a eu un Tanuki. Un poster de l'événement qui visiblement est écrasé avec le voyage, voilà. C'est juste un poster chacun. De l'événement. Un verre en plastique, deux, vu qu'on en a eu deux. Ah, c'est ton autographe de. Sinon, après, même la convention elle est très bien. Hein. Ah oui, très agréable. On s'y perd facilement au début. Oui, au début, surtout qu'il y a beaucoup d'étages. C'est ça, c'est que de base, les conventions, c'est plusieurs zones, mais on y accède par des couloirs. Il y a le verre qui a failli tomber. On y accède par des couloirs, mais là, en fait, le truc, c'est que c'est une convention qui était sur étage. Et c'est un peu délicat parce que ça fait un peu penser à Harry Potter, les escaliers n'en font que leur tête, tu sais pas trop quel escalier mène où au début. Bon après, une fois que tu connais, que t'as fait un petit peu le tour, ça va tout seul. Ouais. Mais c'était sympa d'avoir sous-sol, demi-sous-sol, l'espace vente, manga, découverte, création, boutique et autres. Et dédicace. Les VIP. Ouais, rez-de-chaussée, jeux vidéo, premier étage, amphithéâtre, stand pour manger, etc. Deuxième étage, un peu animation, karaoké, ce genre de trucs.
Et troisième étage, à nouveau un autre truc, on est en train de manger, là où on a passé la majeure partie du temps, l'espace, coup, jeux de société et tournoi Yu-Gi-Oh! Voilà. Organisé par la Team Ixid, qu'on remercie grandement pour cet événement qui a été génial. Ouais, là pour le coup l'organisation. Là pour le coup l'organisation top les gars. Sauf le début pour les pairings. Hein. Pour les pairings. C'est au début, ils nous ont placés, je me suis retrouvée en face de C'est pas leur faute, c'est pas du tout leur faute, c'était la faute des gens qui avaient pas donné le truc, l'idée qu'on a mis. Non, si. D'ailleurs, eux, ils étaient très bien organisés. La preuve que justement les membres du staff, enfin pas de la Team Ixid, mais de la convention n'étaient pas au courant, c'est qu'eux nous ont dit le tournoi est à 14h. Et heureusement, on est tombé sur des gens de la Team Ixid qui nous ont dit: mais vous êtes à ce tournoi, vous, c'est à midi, hein, il est 11h55. Ouais. Quoi? T'as eu Parce que sinon, bah, on aurait eu dans le baba. Et du coup, bah, ce tournoi, il s'est assez bien passé pour nous, puisque bah, moi je suis à 2-3 et toi aussi. T'as 2 victoires, 3 défaites. C'est ça? Oui, il me semble, ouais. T'as failli jouer aussi contre Doc Seven, malheureusement, après le tirage au sort s'est refait quand il y a eu le petit problème que tu parlais. Donc t'as pas joué contre Doc Seven. Mais bon, moi j'ai plus joué contre Volt qui m'a éclaté. J'aurais perdu contre Doc Seven, vu son deck. Moi j'ai perdu contre Volt et j'ai perdu contre Cisayoxi. Et après. Tu jouais ton deck Aroma, comme toujours. Et moi j'ai joué mon deck Artisan Sorcière. C'est des machins intéressants, il y avait divers decks, ça c'était cool. On n'a pas vu comme d'habitude que du SS ou du Salamangrand ou du Hortus, il y avait vraiment de tout. Oui. Parce que moi j'ai joué contre un Clair de Lune, j'ai joué contre un Monarque. Mage Spectre. Invocateur aussi. Invoqué. Ouais, bah. Ça change déjà pas mal. Bah toi t'as joué aussi contre Volt, non? Oui. Ouais, ton dernier match. Mais lui son deck c'était quoi d'ailleurs? Je sais plus. Moi il m'a niqué parce qu'il m'a invoqué. Il a invoqué. Mech Knight, mais Mech Chevalier donc, et mélangé avec un autre truc, je sais plus quoi. Mais après il y avait la finale en amphi qui était aussi très sympa et très mouvementée. Parce que ben c'était en amphi sur grand écran, rediffusé en live, et c'était génial quoi. Et on a pu rencontrer plein de youtubeurs, notamment Volt, Cisayoxi, Doc Seven, Yubel, Obscurity. Mais il y avait la Team Ixid au complet, puis après. Enfin au complet, il y avait une partie de la Team Ixid. Mais voilà, c'était très 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 sympa. Et la finale, ben, c'était bien aussi. Hein. c'était pas une finale ça un grand, peu, donc je suis content. Un peu commenté par Obscurity et Yubel. C'était cool, moi j'ai bien. J'ai un bon judge, Romain. Ah ouais, Romain aussi. Il était un très bon judge, avec qui on a sympathisé. Jamais à cette vidéo. Il a appris quand même pas mal de choses par rapport au spell speed et tout ça. La police du samedi, ce sera bien. Quoi. Des effets et tout ça, des cartes, c'était sympa d'apprendre des choses. Voilà, nous, c'était un tournoi gratuit en plus. Un tournoi on gratuit. On est quand même reparti avec des lots, des slides, des slides, des petits carnets. Moi, j'étais 13e. Knight était 13e et moi 15e. Ouais. Sur 22, 23, 24, je sais plus combien on était. 24 ou 26, je sais plus. On pouvait accueillir 32 joueurs, on était à 26, on était 26, je crois. Oh, ça va, 15e sur 26. Et ça, le World Championship 2017, truc sympa. Voilà. C'est très gentil à eux. Ah oui, puis t'as été aussi tiré au sort. Et surtout, Doc Seven. Attends, raconte l'histoire. Doc Seven a gagné. Non, on vous mettra, je mettrai bien la finale dans la vidéo. Il avait donc gagné dans la description. Un tapis harpie. Et il a décidé de l'offrir à quelqu'un aléatoirement. Et il s'est tombé sur le 13. Et le 13, c'était Bibi. Du coup, j'ai eu le droit au tapis harpie. Merci beaucoup, Doc Seven, encore. Que j'ai fait dédicacer. Il n'y a aucune chance qu'il regarde cette vidéo, mais s'il regarde, regarde, laisse un petit commentaire, juste un petit point à vote. Ce serait rigolo de savoir que tu es venu. On te remercie grandement. Et c'était un grand plaisir, en tout cas, de tous. Et merci à tous d'avoir aussi signé le tapis. Ça fait très plaisir. Ça fait un beau souvenir de ce petit tournoi Yu-Gi-Oh! Hein, sympathique. Puis d'être avec tout le monde, de pouvoir discuter, changer, tout ça. Puis la convention d'acheter aussi quelques trucs. Parce que. Dans ma tête, j'avais acheté Freezer, en fait, j'ai acheté une figurine sur mon coup Super CN Pro. Mais voilà, le pass en tout cas était. Je sais pas, toi, donc je me suis dit, la figurine de Freezer doit être trop belle, et en fait, je vois, ah non, c'est vrai, j'ai pris celle. Et avec le pass, c'était bien, les drop bubble tea, un petit repas, etc. Ouais. Du coup, on n'a pas utilisé. On a profité, hein, bubble tea. Mais voilà, c'était très sympa. Je pense que si l'année prochaine ils refont un petit tournoi Yu-Gi-Oh, ce sera avec grand plaisir qu'on reviendra en tout cas. Ouais. Et on s'est bien amusé. Ouais, donc voilà, c'est tout pour le récap de cette convention. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout pour les interviews que vous allez avoir en vidéo. Allez, bye à tous. À bientôt. Ciao.